Salut à tous et bienvenue sur Steelbook Paradise où on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du Steelbook de The Omen, La Malédiction chez nous en français, avec cette BO très étrange. C'est la première fois que je l'écoute, comme j'ai pas vu le film. Je l'avais vu sur Zavi, enfin je l'ai pris sur Zavi, je l'avais déjà vu à une époque, il était à peu près une dizaine d'euros je crois, peut-être un peu plus. J'avais hésité à le prendre et là il a encore baissé, il était à moins de 7 euros. Il contient la VF, donc là je me dis on va difficilement faire moins cher, donc je l'ai pris. Donc The Omen. Alors, Steelbook type cadre, avec cet étrange garçon. D'après ce que j'ai pu lire, il me semble que c'est la réincarnation du mal, ou il est possédé, ou je sais plus trop quoi, donc faut que je le regarde. Alors, type cadre, le titre est embossé. Donc plutôt sympa pour le recto. Sur la tranche, on reprend la police d'écriture, logo Blu-ray et Fox. Ça commence à m'en faire un paquet de chez Fox, les steelbooks, je trouve. Ils bradent pas mal en ce moment. Alors, sur le recto, quelques infos textuelles en bas. On a une image, je crois que c'est le père qui essaie de tuer le fils, justement, parce qu'il est possédé. Donc très sombre comme atmosphère ce steelbook. Le disque. Donc comme je vous disais, il contient du français. Ben là, aucune info sur les zones. Ni zone A, B, C, c'est pas du tout. Mais bon, il contient du français, je confirme. Artwork interne. Hop. On va retirer ça. Ça gêne. Hop. Voilà. Donc on retrouve le père en artwork interne. Il ressemble pas mal à Thierry Frémont, je trouve. Sacrée tête de con. Non, je plaisante. Tête bizarre, quoi. Étrange. Voilà. Donc voilà pour ce steelbook de The Omen. Donc ouais, on fait court aujourd'hui. Et je vais pas tarder à couper parce que cette BO commence à m'angoisser légèrement. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.